Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie. Alléluia. J'espère que vous allez bien. Nous écoutons toujours Saint-Marc. Le semeur est sorti pour semer. Chapitre 4. Saint Évangile. Selon Saint-Marc, chapitre 4, versets 1 à 20. De nouveau, Jésus s'était mis à enseigner sur les bords du lac. La foule s'y rassemble autour de lui, en tel nombre qu'il monte dans une barque où il peut s'asseoir restant sur la mer, et tout le peuple est sur la rive face à la mer. Jésus leur enseigne beaucoup de choses, en paraboles, et dans son enseignement il leur dit. Écoutez, voici que le semeur est sorti pour semer. Pendant qu'il sème, une partie du grain tombe au long du chemin, et les oiseaux viennent la manger. Une autre partie tombe sur la rocaille et elle ne elle n'a guère de terre. Très vite sort la tige parce que la terre n'est pas profonde. Mais quand le soleil commence à chauffer, elle est grillée et se dessèche parce qu'elle n'a pas de racines. Une autre partie du grain tombe dans les épines. Les épines croissent et l'étouffent et la graine ne porte pas de fruits. D'autres enfin tombent dans la belle terre et donnent du fruit. Ces graines sont, ont poussé, elles se sont développées et ont donné l'une trente, l'autre soixante, l'autre cent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand on se retrouve entre soi, ceux qui l'entourent avec les douze le questionnent sur les paraboles. Alors il leur dit C'est à vous qu'on a confié le mystère du royaume de Dieu. Ceux qui dehors, ceux du dehors, tout leur arrive en parabole, si bien que ils ont beau regarder ils ne voient pas, ils ont beau écouter ils ne comprennent pas autrement ils se convertiraient et seraient pardonnés. Jésus leur dit. Si vous ne comprenez pas cette parabole, comment comprendrez vous toutes les autres? <coughs> Ce que sème le semeur, c'est la parole. Certains sont sur le bord du chemin comme on sème la parole. Ils écoutent mais Satan vient et enlève la parole qui leur, fait, qui leur était destinée. Chez d'autres on sème sur la pierre, la piraille. Ils écoutent la parole, ils écoutent la parole et aussitôt l'accueillent avec joie. Mais chez eux les racines manquent, ils changent avec le temps. Pour peu que vienne une difficulté ou une persécution à cause de la parole, ils chutent aussitôt. Chez d'autres on sème au milieu des épines. Ceux-là ont écouté la parole et et puis surviennent les soucis du monde, les illusions de la richesse et tous les autres désirs. Ils étouffent la parole et elle reste stérile. Chez d'autres, on sème une belle terre. Cela, chez d'autres, on sème en belle terre. Ceux-là ont écouté la parole. Ils l'ont accue... accueilli et ils portent du fruit. L'un trente, l'autre soixante, l'autre cent. Merci Jésus pour ta parole. Alléluia. Ben, Aujourd'hui, c'est très simple hein, puisque c'est toi, bien-aimé Jésus, qui explique le qui fait le commentaire. <laughs> Alléluia, merci Jésus. Donc, il euh, n'y a pas grand chose à rajouter quand le maître a parlé. <laughs> merci Jésus. Je <laughs> vais quand même revenir un petit peu sur l'explication le, que nous donne Jésus, qui est notre seul enseignant. Amen. Ce que le semeur, parce que Jésus, vous savez que Jésus nous dit apprenez que je suis doux et humble de cœur. Donc Jésus est tellement humble qu'il ne nous dit pas qui est la parole Vous avez compris, la parole, c'est Jésus lui-même. Jésus est le Verbe de Dieu. Donc la semence, c'est lui. C'est lui la parole. Ne l'oublions jamais. Ce que sème le semeur, c'est la parole. Le semeur, c'est son père. Et la parole, c'est Jésus lui-même. Relisez le chapitre 1 de l'Évangile selon Saint Jean, et vous comprendrez qui est le verbe. C'est toi, bien-aimé Jésus. Amen. Certains sont sur le bord du chemin quand on sème la parole, ils écoutent. Mais Satan vient et enlève la parole qui leur était destinée. Quand on vous dit, quand j'arrête pas de vous dire, priez la prière à Saint-Michel Archange, le Notre Père, la prière à Saint-Michel Archange et les Je vous salue Marie. Très important. Afin de rester attentif à la grâce que nous avons de recevoir Jésus lui-même, qui est la parole. Chez d'autres, on s'aime sur la piraille. Ils écoutent la parole et aussitôt l'accueillent avec joie. Mais avec eux, les racines manquent. Ils changent avec le temps. Pour peu que vienne une difficulté ou une persécution à cause de la parole, ils chutent aussitôt. Et oui, la joie. Waouh, super Jésus, 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 Jésus. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut enraciner, l'accueillir, avoir un seul vêtement, comme dit Jésus, ce qui veut dire qu'on n'est pas multiface, c'est-à-dire... On est avec Jésus, avec les catholiques, on est avec les, on est, euh, bouddhiste avec les bouddhistes, on est, euh, on, on est tendance euh, tout miel avec euh, l'islam quand on a affaire à des musulmans. Non, 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 non. non. Nous ne sommes pas des caméléons. On est catholique, quels que soient nos interlocuteurs, et si nous manquons de racines, eh bien nous demandons à Jésus. Cette profondeur, cette profondeur d'être enraciné. Merci Jésus, c'est le sens de l'incarnation. Jésus a donné sa vie sur la croix et il n'a pas fait semblant. Et il est ressuscité. Alléluia. Donc soyons forts et, comme dit le chant, garde-moi Jésus, ma force est en toi. Garde-moi Jésus, mon bonheur c'est toi. Amen. Chez d'autres, on sème au milieu des épines. Ceux-là ont écouté la parole, et puis surviennent les soucis du monde, les illusions de la richesse, et tous les autres désirs qui étouffent la parole et elle reste stérile. Toujours pareil, comme disait Sainte Jeanne d'Arc, Messire, Messire Jésus, premier servi, si on place Jésus, premier, toujours en premier dans nos vies. Comme tu nous l'as dit, bien aimé Jésus, cherche le royaume des cieux et sa justice, et tout te sera surajouté. Cherchez le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera surajouté. Euh, euh, surajouté, ça veut dire quoi <laughs> Ça veut dire que nous avons tout dès l'instant où nous avons mis Jésus en premier dans nos vies. Ce qui est logique. Jésus qui est la parole. Amen. Enfin, enfin. On y arrive. Chez d'autres on sème en belle terre. Ceux-là ont écouté la parole, ils l'ont accueillie et ils portent du fruit, l'un trente, l'autre soixante, l'autre cent. Chacun porte du fruit à sa mesure dès l'instant où il accueille la parole, c'est-à-dire Jésus lui-même qui se donne. Amen. Merci Jésus, Alléluia, de nous aider à être cette bonne terre. La terre, ça se travaille. Le carême qui vient. Va être l'occasion pour nous d'améliorer notre terre pour mieux accueillir encore le grand roi, notre seul grand roi, Jésus le Christ, le Christ Jésus. Merci Jésus d'être notre seul roi. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, s'il te plaît, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta seule volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, toi Notre Mère, Notre Dame, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique et apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et vous tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta seule volonté, ô Jésus. La paix et la joie de Jésus soient dans votre maison. Et je vous dis ben, peut-être à ce soir à 20h30 sur, la... sur TikTok, sur la chaîne Seul Jésus sauve. Merci Jésus d'être le roi de gloire, le Dieu de nos vies. Amen. À très vite.